Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir au public du Thierry Titi et bienvenue pour cette deuxième édition du Thierry Titi. Alors ce soir, c'est un jour et une soirée bien particulière. On va voir passer quatre groupes, quatre couleurs bien particulières qui nous viennent d'ici, de notre territoire. On aura Dusty Duke, Elisa Morgan, Dama et sans plus attendre, j'aimerais que vous fassiez une ovation pour le groupe qui va suivre. S'il vous plaît, faites du bruit pour Nico Backton. Bonsoir. 1, 2, 3, 4. I was in school with you. Sometimes I don't know what. Sometimes I don't know what. Women in this world. Women in this world with you. If you don't want to be my baby, there's nothing left that I can do. No doggone thing.
On se plonge un peu dans le blues. Vous allez bien?
C'est parfait, vous êtes chaud comme il faut. C'est génial de commencer comme ça avec vous. On va faire une dernière petite chanson maintenant pour se replonger dans le bassin du Mississippi. Take a look at yourself.
Hey. Nico Backton, on fait du bruit pour Nico Backton, s'il vous plaît. Nico, je t'invite à nous rejoindre sur le plateau et à t'asseoir. Comment ça va? Alors, très bien, très heureux de t'accueillir ce soir. Et le public, je pense, a été agréablement surpris, on est d'accord, hein? Vous avez kiffé. Hey. Merci. Un public conquis. Tu vois, preuve que la presse n'a pas tort. Alors, tu nous présentes un peu ton équipe, s'il te plaît. Tu n'es pas venu seul. Je sais que tu es accompagné. D'ailleurs, on a vu l'énergie et la cohésion qu'il y avait dans la team. Je suis venu avec les Wizards of Blues, les Diables du Blues, les Sorciers du Blues, avec Thierry Lopez et la guitare. Et qu'on applaudit d'ailleurs. Hein, j'aimerais que le public lui fasse une ovation. Maître Lopez. Avec le monument de la casa. Avec le monument de la basse. Et qu'on applaudit aussi. Et monsieur Philippe Doureau à la batterie. Très bien. Et qu'on applaudit aussi. Alors, donc, pas mal de scènes donc, à ton actif en compagnie de tes musiciens qu'on nomme, donc, ce sont les Wizards of Blues, c'est bien ça. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui te vient, qui est mémorable sur scène avec ton équipe? Il y en a plein. Je ne pense pas pouvoir en choisir un. Non, il y en a plein. On a la chance de pouvoir faire énormément de festivals un peu partout. Et oui, ça peut être un festival aux Canaries, dans les îles Canaries. Il y a pire. Il y en a qui ont de la chance. D'avoir une grande scène, vue sur mer, ou alors dans le fin fond de la Pologne aussi. Enfin, bon, il y a 120 000 personnes. Et c'est énorme. 120 000 personnes, c'est quand même costaud. Donc, après, non, il y en a trop. Il y a trop de bons souvenirs. Ils sont pas aussi chauds que le public de Thierry Titi. On est d'accord. Ah, hein, c'est le meilleur public du monde. Alors, pour ne citer que ça, premier prix des rendez-vous de l'Erdre en 2005 et prix du festival Blues sur scène. C'est quand même une fierté d'avoir une reconnaissance par les pros. C'est quand même fou d'avoir eu quand même des reconnaissances telles que celle-ci. Comment t'expliques tout ça? Bah, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, de se replonger vraiment dans l'univers du blues, dans le blues des racines, dans le Mississippi et tout ça, et puis de le remettre un petit peu au goût du jour, et puis de pouvoir le faire entendre à des personnes qui sont pas du tout forcément fans de blues, mais de leur dire que ça aussi c'est du blues et que voilà, c'est la racine d'énormément de musique, et donc le fait d'avoir fait ça, ça nous a vraiment ouvert les portes, des scènes. Moi, je m'y attendais pas, je t'avoue vraiment clairement, à te voir quand on entend ta voix rocailleuse, poussiéreuse et cette soul justement qui se dégage quand même de ce blues aussi, hein, parce que c'est intimement lié. Ah oui, bien sûr. Moi, je t'avoue que j'ai été agréablement surpris. Donc, on sait qu'il y a deux albums que tu as sortis avec les Wizards aussi. Deux albums. Il y a eu quatre albums en tout avec les Wizards. Les deux premiers qui étaient des autoproductions, mais donc qui ont été critiqués par la presse. Ça a été le début, après justement les rendez-vous de l'Erdre à Nantes et le blues sur scène, tout ça, ça a ouvert les portes un peu des festivals en France. Et puis après, on a trouvé un distributeur et puis les deux derniers sont distribués en Europe. Ouais. Oui, ce qui t'a ouvert pas mal de portes au niveau international, je dirais, oui. Ne serait-ce qu'au niveau des scènes. Ouais. Alors, je vais citer un magazine, la presse, qui disait et qui te qualifiait Nico Backton et ton crew de meilleur groupe français de blues acoustique. Oui. Bon, t'es belge, on est d'accord, hein. Pas de souci. Mais comment est-ce que tu reçois ce type de qualificatif? Ça fait plaisir, ça fait super plaisir, parce que ça veut dire qu'on a pas bossé pour rien et qu'on est dans la bonne voie. Maintenant, il faut le prendre aussi avec un peu de légèreté, parce que on sait pas. Je veux dire, la musique, c'est une question de goût et une question d'oreille, et puis il en faut pour tout le monde. Donc peut-être que pour une personne a trouvé qu'on était très bon, maintenant son voisin va peut-être nous trouver exécrable. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis tous les goûts sont de la nature, c'est tout à fait normal. On est d'accord. Alors ce soir, tu n'es pas tout seul, on est en compagnie de Monsieur Sébastien Giraud, qui est représentant, donc animateur sur France Bleu Roussillon. Absolument, bonsoir les amis. Alors, je suis le voisin, et moi aussi je vais le trouver excellent. Donc vous voyez, hein, je me permets de rebondir. Non, je pense qu'il y a énormément d'avis positifs, et c'est nettement justifié de par sa voix qui est puissante, qui est rocailleuse. Il n'y a aucun traitement sur la voix, il n'y a aucun truc. Je pense que la régie peut certifier, c'est du naturel. Et puis, ce qu'on aime aussi chez Nico et chez ses excellents musiciens, c'est le côté accessible de leur blues. On est vraiment dans le delta du Mississippi. Et puis, c'est surtout une musique qui est un petit peu compliquée parfois en France, comme le jazz. On a tendance à penser que c'est une musique qui n'est pas pour tout le monde. Et cette musique, ce groupe, la rend vraiment extrêmement populaire. Et ne serait-ce que pour ça, on les adore. Exactement. D'ailleurs, le public, encore du bruit pour Nico Backton. Alors,
On va s'attarder un petit peu plus à Radio France Bleu. Quel est votre travail au quotidien? Parce que je sais que vous êtes quand même assez implanté sur la ville de Perpignan oui. déjà, et de manière un peu plus régionale. Quel est votre travail de fond? Parce que je sais que vous travaillez avec beaucoup d'artistes, sans discrimination en plus. Oui, il faut alors, souligner. Alors c'est vrai que nous sommes une radio locale généraliste, donc on parle à peu près de tout. Il y a de l'info, il y a aussi beaucoup de divertissement. Et moi, je m'occupe précisément de ce magazine musical qui s'appelle Bisque à la musique et qui nous accompagne de 16h à 18h le samedi après-midi. Alors effectivement, comme vous le disiez Hassan, à juste titre, puisque je sais que vous êtes artiste par ailleurs, excellent rappeur d'ailleurs, on peut l'applaudir, il n'y a pas de problème. À la carrière nationale. Hassan. Donc on reçoit effectivement des rappeurs, on reçoit des personnes qui font du reggae, du rock, on a eu du rock progressif, on a aussi du rock un petit peu plus hard, entre guillemets, du métal, il n'y a pas de souci là-dessus. Pas mal de chansons, mais pas seulement, et de la musique en catalan, et pas uniquement, bien au contraire, en fait, il y a énormément de créativité plutôt en français et en anglais, un peu comme Nico d'ailleurs ici. Donc nous on relaye évidemment avec grand plaisir et avec cœur cet élan musical du pays catalan. Et lorsque sur vos émissions vous invitez plusieurs acteurs, je dirais, de la région justement à participer, vous le faites en même temps ou est-ce que... Alors, on sépare pour une seule et même raison, et je pense que vous êtes sujet à cette préoccupation ce soir, c'est que en radio comme sur scène, tout est timé, il faut faire vite, et quand on est trop nombreux, on a tendance à s'étaler, et malheureusement, on n'a pas la possibilité de le faire. Alors peut-être qu'un jour on le fera, qu'on cassera les murs et qu'on brisera les règles, mais pour l'instant, on est des bons petits élèves, on essaie de faire juste comme il faut pour être le plus efficace possible, donc chacun a sa place et chacun a 3 minutes 30. Voilà, on reconnaît quand même l'animateur radio hein, dans le débit, on est d'accord. Hein. Donc, oui, même moi, ça me fout la pression en tant qu'animateur. Bon. Alors, on va revenir un petit peu à Nico Bacton rapidement. Alors, il y a un album qui s'appelle Roots and Stories qui a été distribué donc en Europe. D'accord. Ça a aussi permis justement au groupe, je pense, d'investir la scène internationale. Comment est le public en dehors de notre territoire? Je pense que tous, en tant que sédentaires, on aimerait savoir. Comment est-ce qu'ils réagissent justement à Nico Bacton? Alors, il ne peut pas être aussi chaud qu'ici ce soir. Ça, c'est pas possible. Hein, ça n'est pas possible. Mais non, après, on a beaucoup de chance aussi. C'est que, voilà, on a toujours été bien reçus. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on entre dans des pays différents, des cultures différentes. On était dans le sud de l'Angleterre. C'était pareil, un festival tout à fait fou. Ils étaient sur des ballots de paille, mais ils étaient déchaînés. Enfin, c'était. Il y a plein de trucs différents. Et voilà, non, c'est très amusant en tout cas de croiser des cultures différentes. À chaque fois avec un public différent, mais autour de la même passion, autour de la même musique et de l'amour de la musique. Ça doit être enrichissant. Est-ce que tu peux nous parler de Down the Line? Down the Line, oui, très bien. Down the Line, c'est le dernier album. Dernier album en date, qui a été très bien reçu. Plus encore que Roots and Stories, qui était celui qui était juste avant. Et oui, c'est un album qui nous a vraiment conforté dans ce qu'on faisait. C'est l'album qui est fait d'ailleurs avec les trois musiciens, avec Philippe, Thierry et Jean. C'est pour moi le j'ai atteint vraiment le sommet de ce que je voulais faire à ce moment-là. Alors il y a de nouvelles choses qui sont dans les pots, mais je préfère prendre le temps parce qu'il faut assurer après. C'est pas toujours évident. Et donc voilà, donc celui-là, il a vraiment été distribué en CD partout en Europe, hein, en numérique aussi, puis il a été distribué... Donc on peut le trouver partout. On le trouve en Russie, donc... au Japon, en Australie, on le trouve partout. Donc s'il y a des Russes, des Japonais dans la salle, vous savez où trouver le CD, il n'y a pas de souci. Bah écoute Nico, je te remercie énormément d'avoir été parmi nous ce soir. Avec grand plaisir. On te remercie, on a hâte d'écouter la suite. Merci. Te souhaite une bonne continuation. J'aimerais qu'on fasse aussi du bruit pour Sébastien Giraud, Radio France Bleu. Merci beaucoup Hassan, merci à vous les amis. Merci infiniment pour votre travail. On est là. Alors, David et Arnaud se rencontrent pendant leurs années lycée dans le nord-est de la France. Durant 20 ans, ils se suivent et ils montent différents projets musicaux et posent leurs valises à Perpignan en 2015. Pardon. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Dusty Duke. Gonna go to hell. I'm just a man, I ain't no sin. I see the struggle with his pain. I'm a respectful man.
forward to my grave. Someday I'll be damned for the love and the pain that I gave. Always up for good, chicken for a food. You think you're rather tall, after all I'm just like you. Cries in the feet of satisfied. Lead ahead that I try. Fate of the beast I ride. Out of respect for man, straight forward to my grave. Someday I'll be down for the love and the pain that I gave. Thank you.
No matter what, it's in his boat. I sing the song for fortune now. I sold my soul. Bonsoir les gars, salut, bonsoir, enchanté. Salut, bonsoir. Alors, David, c'est toi, Arnaud, c'est moi. C'est toi, et on est en compagnie d'un autre Arnaud. Ce soir, on conjugue le prénom au pluriel. Alors, rapidement les gars, vous avez sorti un premier EP, je crois que c'est toi Arnaud d'ailleurs qui l'a sorti. Ouais. C'est un premier EP, l'histoire vient de là, donc c'est un mini EP. En fait, ouais, l'histoire de Dusty Duke vient d'un EP. Sur lequel j'avais travaillé pour un autre projet et nous on cherchait à faire un truc tous les deux
voilà, que tous les deux. Et on est parti de cette base d'EP qui est de la musique du sud des États-Unis pour voilà, créer ce groupe Dusty Duke. Et après, on a essayé de bosser sur des compos dans ce style-là. Jusqu'à 2017 où il y a un premier album, c'est voilà. Bien ça. Jusqu'en 2017, donc après c'est allé relativement vite, parce qu'on a mis à peu près un an à bosser, on voulait aller vite, on voulait qu'il y ait de l'énergie, on voulait que ça soit rock'n'roll. Que ça soit spontané. Voilà, que ça soit spontané. Donc du coup on a bossé un album à la maison avec nos moyens, avec nos sous, et puis voilà, on a décidé de sortir ça, ouais. Et ce soir, on est en compagnie de quelqu'un d'un peu spécial, qui est donc Arnaud Pinchon, qui est ici à ma droite, qui est donc à la tête d'une boîte, d'une entreprise qui s'appelle Fuse Productions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... On fait du bruit d'ailleurs pour Monsieur Pinchon, bien sûr. Alors, qu'est-ce que Fuse Productions ? Fuse Productions, c'est une association, c'est pas une entreprise qui a pour vocation d'aider des groupes d'ici à tourner. Voilà. C'est une structure que j'ai créée en 2014. D'accord. Exactement. Et vous avez plusieurs artistes dans votre roadster du coup ? Oui, à l'heure actuelle, on a une vingtaine d'artistes avec qui on travaille. Beaucoup, comme Dusty Duke, se trouvent des dates eux-mêmes. Après, pour certains lieux, pour certaines salles, etc., il y a besoin d'avoir un appui administratif, logistique, technique qui est un petit peu différent. Donc voilà, on commence à intervenir plutôt sur des dates comme ça. D'accord. Alors, je crois que vous occupez aussi d'artistes tels que Lee Milanaz. Ça a été le cas pendant de 2014 à 2017. Maintenant, c'est passé chez une grosse agence de booking qui s'appelle Radical Productions. C'est vrai que Fuse Productions a été créée pour ça en fait en 2014, puisque c'était des amis qui n'avaient pas de structure. Et voilà, moi je travaillais plutôt sur l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire l'accueil et la production de concerts. Et là j'ai eu l'envie de les accompagner, donc passer côté production, production d'artistes, production de tournées, voilà. D'accord. Et justement, Dusty Duke, à ce niveau-là, au niveau des tournées, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que vous avez des dates en ce moment ou... On attend Arnaud. on va sûrement travailler avec lui très très prochainement pour l'automne ou le début de l'hiver, pour ce genre de choses. Après, des dates, oui, on en a beaucoup. On en a beaucoup dans la région, un petit peu ailleurs aussi, jusqu'à la fin de l'été. Donc ça tourne plutôt pas mal. L'album se vend très très bien, disponible partout, notamment sur notre label Fat Cat Land, Fat Cat Record. Et oui, on a beaucoup de dates. La prochaine, c'est le Mediator le 17 mai. Donc c'est plutôt sympa. En première partie de The Legendary Tiger Man, donc ça, on est plutôt content. Et après, d'autres petits projets, on n'en parle pas parce que c'est pas encore confirmé, mais on a beaucoup de choses. Ça marche plutôt bien, on est content. La dynamique est lancée. Ok. De votre côté, enfin, moi, de ce que j'ai vu, en fait, j'étais quelque peu impressionné par le minimalisme, en fait, de la formation. D'un côté, toi qui es au chant et au tambourin. Et de l'autre côté, toi Arnaud qui te contente de ta guitare, bon, qui est au chant aussi pareil parce que je vois que tu fais les bacs et tout ça, mais qui a une espèce de machine, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un truc en bois qui est raccordé à des fils et tu tapes dessus et tu donnes le rythme, c'est un kick, c'est quoi exactement ? Ouais, en fait ça s'appelle une Stompbox, donc à la base on voulait prendre un kick de grosse caisse. Et puis comme c'est quand même chiant à transporter quand on doit faire des dates, etc., rien qu'à entreposer, etc. Donc on a cherché, David a vu ça sur Internet. Merci Internet. Et donc du coup on a pris ça et voilà, ça nous fait le job, hein, ça nous fait la rue Michel. Et puis on se fait plaisir avec ça. Le but étant d'avoir quand même un gros son et en plus en termes de technique, voilà, c'est facile à brancher. C'est ultra lourd. On a vraiment l'impression d'avoir un kick de batterie et du coup pour la caisse claire, bah, c'est le tambourin qui fait le taf. Hein. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Hein. Vous vous inspirez de quoi ? En règle générale, vous avez des références peut-être ou Non, les gens s'inspirent de nous plutôt. On non, est d'accord. Non. Non. Non, on est plutôt content que ce style de musique un petit peu blues moderne, dirty blues, arrive un petit peu partout. Ça commence depuis quelques années aux États-Unis, en France aussi, ça commence à bien fonctionner. Tout ce qui est musique du sud des États-Unis, Southern Rock, Dirty Blues, voilà, on est inspiré de ça depuis très très longtemps.
Depuis tout gamin, on écoute Lynyrd Skynyrd de Creedence Clearwater Revival. Donc voilà, on a ça dans la tête depuis très très longtemps. Après, il y a des groupes comme The Picture Books ou Black Pistol Fire, un petit peu moins connus, mais qui reprennent ces bases-là en version un petit peu plus sale et beaucoup plus dynamique. Et nous, c'est ce qui nous plaît. Ouais, ce qui vous plaît, le côté un peu poussiéreux, un peu crado, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un peu ça, oui, effectivement. En essayant d'être carré toujours, mais oui, voilà, un côté un petit peu dusty, justement, qu'on ajoute dans nos chansons. D'où le blaze. Alors, comment est-ce que vous écrivez ? Quel est votre processus de création et de composition, je dirais ? Alors moi, c'est un travail qui est très très difficile parce que je suis chez moi, je fais rien, lui fait tout. Après, il m'envoie, je dis oui ou non. Je pense que t'as un one-man show à faire tourner, là. T'as un truc à faire. Alors, en fait, ouais, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on s'inspire de ce qu'on aime et puis on travaille le plus rapidement possible. En tout cas, pour le premier album, pour les premières compos, c'était ça. Essayer de faire sortir avec de la spontanéité et du rock. Et après, on essaie quand même de travailler sur des refrains, parce que nous, on aime bien les refrains qui peuvent se chanter à plusieurs, etc. C'est notre petit côté un peu glam, il faut le dire. Donc voilà, on aime ça et on essaye de travailler comme ça sur les prochaines compos, sur les prochaines les choses prochaines. On sera peut-être plus travaillé, avec plus à calmer un peu le jeu de temps en temps et pas y aller tout le temps à fond, quoi. Donc on va essayer de trouver un juste milieu entre les deux au bout d'un moment. On est d'accord. Est-ce que vous avez des projets à venir, un album en préparation, peut-être une exclusivité pour le Tiré Titi? Ouais. Ben un album, ouais. Disons que on a déjà une dizaine de titres qui sont plus ou moins prêts en démo, etc. Donc après, faut que je lui fasse écouter, qu'il me valide et qu'on travaille dessus après en live, quoi. Et un album qui est prévu, ouais, peut-être pour 2019. Et puis après, ça sera surtout des concerts. On a envie vraiment d'aller voir ailleurs, au-dessus, dans le nord, là-bas, voir ce qui se passe et voir comment ça peut réagir, quoi. On a envie de venir voir ça. Donc j'aimerais que vous fassiez vraiment un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup, en tout cas. Parce que vraiment, il y a vraiment, vraiment du boulot. Comme quoi, avec très peu de moyens, on peut faire de très, très grandes choses. C'était vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Merci Arnaud également. On quitte donc l'univers poussiéreux et énergique de Dusty Duke pour l'univers sororal de deux filles qui ont donc le même nom de famille qu'on a longtemps appelé les sœurs Banyuls. J'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Elisa et Morgane. My baby, tonight I don't wanna sleep alone on this old sofa. I miss your breath on my skin. I promise you, I won't try to kill you again. Tonight I want love, we will be close. Like never before. Please give me one more chance. Tonight will not my bad man. I promise I won't see you as you are. My lover loves me like nobody else. He loves me, loves me. Baby, come and kiss me. I promise I won't bleach your lips. The only red thing tonight will be my lipstick. I won't kiss the liar, but my love. What if I
Ça va toujours? Allez, plus fort. Sorry. For all the love buns, 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 sorry. For all the love buns, 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 sorry. For all the love buns, 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 sorry. For all the love buns, 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 all the love buns. Love loves me like nobody else. He loves me, loves me, and will love me. Hey, bitch, wanna fight him by your side, 'cause he always will next to me. Hey, bitch, wanna fight him by your side. Your mistakes, hey. You
La dernière chanson s'appelle Free. Et on applaudit. Et on applaudit bien fort, Elisa et Morgane. Les filles, venez, venez me rejoindre sur le plateau. D'ailleurs, je suis pas tout seul. Je suis accompagné de monsieur Alex Auger qui représente le conservatoire de Perpignan. On fait du bruit pour lui aussi, s'il vous plaît. Une vraie rockstar. Comment ça va, les filles? Ça va très bien, on est très contentes d'être ici. Vous avez bien vécu votre concert, ça s'est bien passé. Oui, oui, très bien. En tout cas, je pense que le public du Thierry Titi a kiffé, ils ont adoré. Et nous avec eux. Présentez-vous les filles, vous êtes bah, moi c'est Morgane, je fais du piano comme vous l'avez vu et je chante. Et ma sœur Elisa, je suis la batteuse du duo et je chante aussi. D'accord. Et...
Il vous aime, le public, hein. Il est amoureux, le public. Alors, clairement, sur votre formation, il n'y a que batterie et que piano, en fait, que synthé, c'est ça ? Il n'y a pas de basse Oui, c'est ça, ouais. On est je trouve ça, alors, encore une fois, super minimaliste, c'est le mot du jour, mais je trouve ça super réussi. Encore bravo, j'aimerais qu'on les applaudisse parce que je trouve ça très qualitatif. On vous a vu sur de nombreuses scènes locales. L'une des dernières, c'était Emergencia à la Casa Musical. On est d'accord. Habituellement, vous faites pas mal de covers. On a vu justement Cold Night, je crois, qui était une cover qui avait été faite justement avec l'IDEM que vous avez reprise justement. Cold Night, c'est une composition à nous, pour le coup. Ouais. Donc voilà, je voulais savoir justement. Je trouve d'ailleurs très réussi. C'était un des morceaux qui est passé tout à l'heure. La dernière fois que vous avez fait un concert à la Casa Musical, vous avez joué avec des morceaux qui n'étaient qu'à vous. Comment est-ce que vous avez vécu ce premier concert où on se met un peu à nu en tant qu'artiste avec nos propres morceaux, c'est un peu, on dévoile une partie de sa vie, une partie de soi. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça ? Bah, je pense que c'est vraiment le mieux de jouer avec ces morceaux, en fait, c'est vraiment super. Et c'est vrai qu'au début, on faisait pas mal de reprises et on essaye vraiment de se diriger plutôt vers essentiellement des compositions, parce que c'est vrai que maintenant que je pense qu'on atteint un certain moment du projet, je pense qu'on va vraiment aller vers ça et se développer. Comme se ça. Développer réellement. Et d'ailleurs, avec l'appui de personnes comme monsieur Mister Alex Auger, qui est à ma droite. Ben dis donc, on est quasi sûr qu'il va signer des autographes à la sortie. Hein. Alors, Alex, je te prie de prendre le micro pour t'exprimer. Quel est ton travail justement au sein du conservatoire ? Quel est ton rôle exactement ? Alors, mon rôle, c'est d'accompagner des artistes à atteindre leurs objectifs. Alors, il y a plusieurs profils. Il y a des jeunes gens qu'on a depuis qui sont tout petits. Il y a des gens qui viennent à une certaine période de leur activité musicale pour se performer sur soit leur technique, soit leur connaissance théorique. Et puis, il y a des jeunes artistes comme Elisa et Morgane qui sont avec nous depuis quelques années. Elles avaient déjà un bagage instrumental quand elles sont arrivées au conservatoire. Et là, on leur a fait travailler leurs instruments, tous leurs instruments, leur voix. On les suit aussi sur la théorie musicale, la culture, voire l'informatique. Elles ont encore d'autres cordes à leur arc puisqu'elles sont aussi danseuses. Et puis petit à petit, comme on parle de musiques actuelles, forcément on se trouve confronté un jour à la création originale, puisque la particularité des musiques actuelles, c'est vraiment de faire sa propre musique. Et quand nos élèves commencent à avoir cette envie, eh bien, on les accompagne au mieux, mais dans le sens de l'enseignement, c'est-à-dire on va faire en sorte qu'ils ou elles deviennent autonomes pour atteindre leurs objectifs. Comment est-ce que vous faites justement, parce que moi je trouve ça assez, c'est assez obscur dans ma tête, comment est-ce que vous faites justement pour prendre des artistes du conservatoire qui sont quand même drivés, je dirais, parce qu'il y a quand même une vision assez scolaire, je dirais, sans pour autant que ce soit péjoratif, hein, parce que c'est justement, je pense, un prérequis important justement dans la musique, cet enseignement, je dirais, du conservatoire, et de l'allier justement à de la création qui partirait vraiment de l'esprit de zéro justement et avec un état d'esprit je dirais presque autodidacte qui sort ouais, un petit peu des rails. C'est un mélange comme ça. Si nous on est au conservatoire, donc le conservatoire ça a une histoire, donc la performance instrumentale, la théorie musicale font partie de notre enseignement. Donc nous on a ça, on le fait de cette manière. C'est pas la seule manière de faire. Voilà, ici ça se passe différemment et c'est aussi très bien. D'ailleurs on collabore souvent, donc c'est tout à fait ça peut s'associer, mais nous c'est ça. Et quand le désir de composer naît, à ce moment-là il faut un peu relâcher, tu vois. Il faut vraiment laisser faire et uniquement guider. Tu vois, par exemple, tu parlais de l'orchestration. C'est vrai qu'au début du projet, l'orchestration n'était pas comme ça. Et peut-être qu'à un moment donné, elles ont eu besoin de cette confirmation que c'était possible de faire comme ça. Et puis, une fois qu'elles ont choisi ça, quand on n'est que deux, on se sent seul dans la musique. Et il faut amener de la confiance. Donc, on est d'accord, le rôle du conservatoire, pour cette fois-là, c'est aussi de dire qu'il n'y a pas de règles, justement, et qu'il faut s'écouter. D'ailleurs, on en a la preuve ce soir avec les Exter Banyuls, que vous avez changé de nom depuis. Je crois que la formation a évolué. C'est peut-être parce que vous êtes en duo maintenant. C'est bien cela, peut-être ? Je me trompe peut-être ? Oui, parce qu'on est passé à un moment, on est passé par le format A3.
parce qu'on avait, on ressentait un besoin qu'il y ait un autre instrumentiste avec nous, parce qu'on n'assumait pas le fait d'être juste deux. Donc on avait pris un bassiste avec nous, et puis au fur et à mesure des compositions, on s'est rendu compte que peut-être c'était pas plus mal d'être juste à deux pour le côté intimiste, justement, que bah, justement deux sœurs en fait, justement, qui que l'on voit justement s'épanouir sur scène. Moi je suis assez convaincu par la formation à titre personnel. J'ai une question. Pourquoi en anglais? Pourquoi la langue anglaise? C'est un choix qu'on a fait. Il nous est arrivé de composer en français aussi. Mais c'est vrai que c'est un exercice difficile au final, parce qu'on peut pas juste dire je me suis levée ce matin, il faut mettre les formes, et ça relève presque vraiment d'un exercice d'écrivain, de poète, donc voilà. Est-ce que vous estimez que la plupart des chanteurs en France sont des poètes? Non. Et c'est peut-être. Donc il y en a plein qui devraient chanter en anglais, on est d'accord, c'est ça. Peut-être. On est OK. On voit que vous faites pas mal de covers, justement, qui sont pas mal réussis, hein, pour certaines. Alors je me suis trompé tout à l'heure, justement, sur un des morceaux qui était des vôtres. Je suis d'ailleurs totalement surpris, parce que je pensais que c'était une cover. Le morceau est tellement réussi que je croyais que c'était une reprise. Est-ce que c'est une démarche qui vous plaît vraiment, ou est-ce que c'est une démarche qui est simplement destinée à faire du buzz ou à faire grossir le projet? Je pense qu'au début, c'était vraiment pour se faire la main. On a aussi joué du coup avec des covers. C'est plus facile de jouer dans des bars, dans des campings. Et du coup, ça nous a appris quand même à être sur scène. Ça nous a fait de l'expérience. Mais maintenant, on aimerait vraiment passer à autre chose. D'accord. Bah, c'est assez réussi. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort pour l'énergie qui est développée et l'investissement. Mon cher ami Alex, tu as peut-être quelque chose à rajouter au nom du conservatoire de musique? Ben, au nom du conservatoire, je ne vais pas avoir cette prétention. À mon nom, je suis ravi de participer à ça. On est là avec la Casa Musicale, l'IDEM et le conservatoire. Exactement. On applaudit bien fort. C'est bien de le souligner. Alors, le département de musique actuelle existe depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, on travaille tous les trois ensemble, pourvu que ça dure encore très très longtemps. Un grand merci à Alex pour ce travail qu'il effectue au sein du département Musiques Actuelles. Il mérite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'applaudissements pour son travail. Alors, on a peut-être des projets à venir pour vous, les filles, quelque chose qui arrive ou en cours? Alors là, le projet surtout, c'est de composer à balle, on peut le dire, à donf, faut y aller. Et puis, on aimerait faire un EP. Et puis, c'est les petits projets qu'on a en tête. Et puis après, on aimerait viser plus haut, évidemment. Doucement. Mais ouais, voilà, doucement. Bah, écoutez, on va vous souhaiter les meilleures choses qui puissent arriver à des artistes de votre trempe. Vraiment, on les remercie bien fort. Merci à vous, les filles. Merci d'avoir été nos invités. Merci, Alex. Le groupe qui arrive est également un duo. Mais cette fois-ci, c'est un couple. Et ils sont très, très talentueux. Lui, il est aux machines. Elle est au chant. Kaline et Sacha nous transportent dans un univers qui est aussi entre trip-hop et world fusion. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous accueilliez, mais vraiment très très fort, parce que c'est le dernier groupe, le groupe que l'on nomme donc Dama. Bonsoir à tous. Enfin, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien ? Merci beaucoup d'être venu écouter tous ces groupes prometteurs. On est très heureux de partager avec vous notre musique ce soir. Notre nom, c'est Dama, et on espère que vous allez passer un bon moment. Scream of shapes and heights.
as a breeze in our wind, as a river in our distant scream of sharks in the hole, flying over the valley. Squaw, just walk and snake ram quickly. There's a slow, it's a witch train coming up around the bend. You're lost in your dream, a dream that is never end. I saw a man without a face, I saw the winds of blow, I saw the mother voice that we forgot in the high. I feel, oh I feel that what is real. Oh I feel that what is real. It's so real. It's so real. It's so real. It's so beaucoup. La prochaine, elle adresse une pensée à la Syrie et elle parle de toutes ces guerres qui sont menées sans adversaires. Voilà, sans réels adversaires.
Et on applaudit bien fort le duo Dama. Les amis, venez me rejoindre. D'ailleurs, je suis pas tout seul cette fois encore. Et ce soir, je suis bien évidemment pas tout seul. J'ai aussi monsieur Mathieu Garouste. Je te prie de prendre le micro. Monsieur Mathieu Garouste, qui est donc responsable pédagogique à la Casa Musicale. On fait du bruit pour lui encore, s'il vous plaît, parce qu'il mérite. Il fait un grand travail au sein de la Casa. Mathieu, bonsoir. 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 Nos chers amis ici de Dama nous ont fait le plaisir d'être là ce soir. Donc d'abord déjà merci d'être là. Est-ce que vous pouvez les applaudir, vous avez le droit, c'est pas interdit. Hein. Donc pas mal encensé par le public du Tiri-Titi. Dama, c'est quoi? Alors Dama, c'est Khalil et Sacha, Sacha et Khalil, donc un duo, vous l'aurez compris. Bel accent. On s'est formé il y a 2 ans ensemble, on ne se connaissait pas avant et on avait tous les deux vachement envie de faire de la musique. Et on avait la même ambition, le même plaisir, etc. Et donc on a commencé à composer ensemble et on venait d'univers très différents. Donc lui plutôt de l'électro et un peu du jazz et moi de la soul et de la folk. Et voilà, c'est l'assemblage de nos deux mondes musicaux qui ont donné Dama. Donc, que signifie le vocable Dama? Le mot Dama. Ouais. C'est un peu... Bon, on va faire un cours de philo. le mot Dama, ça, c'est en fait dans la culture bouddhiste. Le mot Dama... Bouddha, quand il a... Je raconte toute l'histoire ou non? C'est long, peut-être. Ouais, tu peux y aller, non, hein, prendre bon, des raccourcis bien, quand même, parce que je pense que... Non, mais c'est une histoire intéressante. Mais Bouddha, quand il est parti pour chercher la vérité, on va dire, comment se défaire de la souffrance humaine, il a médité pendant longtemps, et il est arrivé à la conclusion, plus ou moins, je la rends simple, que la souffrance, elle vient du désir. C'est-à-dire que, ou plutôt que, parce qu'on veut les choses qu'on n'a pas, et que quand on est triste, il faut vivre sa tristesse, et quand on est heureux, il faut vivre sa joie. Et cette loi-là que Bouddha a trouvée s'appelle Dhamma. D'accord. Eh ben, c'est très beau. C'est très beau. C'est un peu la dichotomie du bien et du mal. Du bien qui n'existe pas sans le mal et le mal qui n'existe pas sans le bien. Très bien. Bah, très belle explication. Quand on vous écoute, justement, on ressent justement ce mélange, je dirais, artistique dont vous me parliez, mais aussi un mélange culturel. Comment est-ce que vous l'expliquez, justement, d'avoir trouvé ce compromis qui ne doit pas être facile à trouver au jour le jour, parce que je pense que tu as tes appétences, je pense, musicales et toi aussi. Comment est-ce que vous faites pour trouver justement ce compromis, ce terrain d'entente musical? Ce terrain d'entente, il passe par du conflit, qui n'est pas forcément négatif, mais qui est vraiment la discussion de où on veut aller et où est-ce qu'on veut surtout trouver des points communs, parce qu'il y a des divergences, mais il y a beaucoup de points communs, on écoute énormément de musique en commun. Et donc c'est trouver cette brèche-là où tous les deux on est bien. Alors des fois ça tire plus vers moi, parfois plus vers lui. Surtout que Khalil compose et moi j'écris, donc c'est toujours un peu compliqué pour une chanteuse d'arriver sur quelque chose qui est déjà composé, donc c'est tout ce... Mais voilà, Khalil arrive avec... Enfin, il joue plein d'instruments, à chaque fois qu'il prend une flûte, n'importe quoi, il en joue en 2 secondes. Donc c'est assez impressionnant, donc c'est aussi musicalement pour lui, il y a ce côté oriental parce qu'il est tunisien, et en même temps il veut vraiment lui... c'est-à-dire c'est pas parce que je suis tunisien que je vais faire de l'oriental. Donc voilà, on essaie aussi de trouver des compromis entre tout ça. Bah c'est vraiment fou, c'est vrai que t'es un homme orchestre. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais presque on a envie de te mettre des cymbales aux chevilles et te faire jouer, parce que vraiment tu joues de tout quoi. Vraiment, j'ai l'impression que je t'ai vu à la guitare, je t'ai vu au clavier, je t'ai vu à l'ordi, je t'ai vu au pad, je t'ai vu taper sur les pads, encore une fois, en tant que batteur, de la flûte. À un moment donné, tu t'arrêtes quand? Non, mais moi, je suis né dans une famille très artistique, mais du coup un peu académique. On m'a très vite foutu dans un conservatoire, mais qui m'a déplu, et j'ai été renvoyé d'ailleurs du conservatoire. Mais du coup, j'ai toujours adoré toucher. Enfin, voilà, c'était un peu aussi un refus de ce côté académique que je peux comprendre. Par la suite, en grandissant, j'ai compris qu'il y avait une importance aussi à la technique et tout. Mais voilà, pour moi, la musique, dès son départ, c'était quand même des gens qui tapaient sur des bouts de bois. C'est ça, tout fait de la musique. Et d'ailleurs, les grands, si Jimi Hendrix, il a inventé ces effets-là de sa guitare, c'est parce qu'il tapait avec sa bouteille de whisky sur ses amplis. Donc il y a cet aspect-là qui est toujours intéressant dans le son. Et moi, je pense que à notre époque, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir
quel son à utiliser et plus quel instrument. Exactement. Voilà. Ben, on les applaudit. Mathieu, mon cher Mathieu, dans le cadre de tes fonctions, déjà, la Casa Musicale, vous faites quoi exactement? Parce qu'on a l'impression que c'est une espèce de nébuleuse qui est sur Perpignan, qui règne sur Perpignan, sur le monde, je dirais, informel de la musique. Comment est-ce que vous agissez? Quel est le rôle quotidien de la Casa et ton rôle plus particulièrement au sein de la structure? Bah, le rôle de la Casa Musicale, d'abord, c'est une association culturelle dédiée à la musique, à la danse. Et un espèce de laboratoire et d'esthétique et de savoir-faire et de donc plein de gens, plein de danseurs, de musiciens qui notre vocation c'est de laisser un maximum d'espace de liberté pour que des projets puissent émerger et notre rôle c'est juste de structurer ça et d'accompagner pour arriver. Alex Auger l'a très bien dit tout à l'heure, le but ultime pour un groupe c'est d'être autonome et de plus avoir besoin de nous. Exactement, exactement. Et d'ailleurs le rôle de la Casa est très bien fait à ce niveau là comment se matérialise une journée, la journée de Mathieu Garouste au sein de la Casa, comment ça se passe? C'est chargé en général. Comme je t'ai dit, il y a plein de choses. Donc, il y a des ateliers de pratique collective, amateur. Il y a des résidents, des groupes qui viennent en résidence, un studio d'enregistrement, des concerts de hip-hop, de Emergencia, donc des concerts dédiés à la scène locale. Un gros festival au mois de juin, Ida y Vuelta. C'est des partenariats avec le conservatoire, avec l'IDEM, avec ces... J'oublie sûrement plein de choses, mais c'est, ouais, c'est... Et puis, c'est des gens qui viennent nous voir en disant « J'ai cette idée, je veux le faire. Comment on fait, quoi ?» Donc voilà, c'est et le comment, la réponse au comment, c'est toi? C'est pas que moi, c'est une équipe. Hein. On est d'accord. alors, tu parlais d'Ida y Vuelta. Je crois avoir bon souvenir en disant justement que Dama avait joué justement sur Ida y Vuelta. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos expériences un peu de live passées? Ida y Vuelta, c'était la grande chance que nous a offert la Casa il y a donc presque un an maintenant. On venait d'arriver dans la région et on répétait ici, on adorait le lieu. Et puis Michel et Marie-France sont venus nous voir et on a eu la chance de faire la première partie de Wax Taylor. Donc ça, pour nous, c'était... Ce qui est énorme. Voilà, on était heureux, on adorait ce mec. Et donc voilà, et c'était absolument génial. C'était nos premiers pas sur cette scène-là. Et c'était une belle expérience. Hein? Oui, bien sûr. Joli. Très bien. Joli. Très belle expérience. On va rebondir rapidement là-dessus. Voilà. Parce que c'était une belle expérience, mais la pire, c'était laquelle? Vous avez bien une pire expérience, peut-être d'autres meilleurs mauvais souvenirs de live. La pire expérience. Allez, on va commencer par Sacha. Alors, moi, c'était, je dirais pas où, mais c'était une fois où je me suis pas du tout entendue sur scène. Genre, je suis montée. On a joué 45 minutes au lieu de 1h15, je crois. On s'est dit, allez, c'est fini, on arrête tout. On a dit, oh, c'est bon. Et non, parce que tout simplement, dans mes retours, ça n'allait pas. Et en fait, j'ai appris après que ça arrive souvent en festival et qu'il faut juste s'adapter et qu'il faut apprendre à s'écouter de l'intérieur et à développer une oreille comme ça, assez particulière. Donc voilà, c'était assez horrible. J'entendais pas râler, je m'entendais pas. Donc je faisais... Les aléas du live. Voilà, et les gens étaient là. Je me dis, bon, ça doit être juste, alors c'est cool. Et Khalil, Khalil déjà. Khalil, allez, excuse-moi, allez. Il est chauvin. Et donc, moi, c'est pas la pire expérience, parce que ça serait vraiment nul de dire ça, mais disons que on a eu la chance de voir le festival Le Ziget, parce qu'on a gagné le tremplin, et qu'en y allant, on s'est dit, ah putain, on va jouer dans le plus gros festival d'Europe et tout, que c'était incroyable. Mais d'arriver dans ce gros festival avec 18 scènes et 500 000 personnes à jouer à 16h, c'est, enfin, tu es vite désenchanté, on va dire. T'as quand même les 500 000 personnes en face. Non, pas du tout, ils sont pas en face parce qu'ils sont encore bourrés de la veille, ils sont dans leur tente, t'as juste 60 personnes avec leur pizza pour décuver. Donc non, mais voilà, l'expérience elle est excellente, on était hyper heureux de connaître l'équipe du Ziget, qui, enfin, c'est un festival assez dingue, quoi. C'est 18 scènes tout le temps, 7 jours. Mais voilà, c'est des fois être désenchanté de, parce que en y allant, tu te dis, je vais avoir 500 000 personnes, je vais sauter dans le public et en vrai, non. Bon, après, c'est déjà bien d'y être allé, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir joué là-bas. Hein. Exactement.
Parlons de vos projets un petit peu. Vous avez fait un premier album qui est sorti en 2016. Oui. Qui s'appelait Période botanique. Oui. Question toute bête, est-ce que vous avez la main verte? Non, on n'a pas la même main verte. Enfin, t'as des plantations derrière toi. Mais non, la période botanique, c'était un projet. Comme on disait, en fait, Dama, on voulait aussi créer un genre d'histoire que peut vivre un groupe dès le départ et jusqu'à notre mort, que la mort nous sépare. Mais c'était du coup l'idée de commencer par d'ailleurs, il y avait un premier EP qui s'appelait Babillage, c'est-à-dire là, un peu le. Puis on a fait période botanique un peu pour dire l'éclosion et dernièrement. En décembre dernier, il y a une acre, et donc c'était le troisième EP, et voilà, donc c'était un peu pour aussi raconter tout au long de notre évolution aussi les étapes d'un groupe et comment, voilà, et que la musique avec des sonorités plus électro d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un vrai tournant même musical au niveau de exactement, de l'esthétique en fait, hein, c'est exactement ça, parce que période botanique pour nous c'était le début, donc au début on tape sur du bois comme je disais, et après l'homme a découvert des machines et voilà, ils ont inventé un Mac et on a commencé à faire de la musique en tapant sur des claviers. Donc voilà, c'est aussi de voir cette évolution dans la musique, d'essayer de la vivre nous-mêmes dans notre projet. Voilà. Eh bien alors merci. Mathieu, tu as peut-être quelque chose à rajouter au nom de la Casa Musicale, de Monsieur Michel Vallée et de toute l'équipe? Ben, je remercie tout le monde d'être venu ce soir à la Casa Musicale, participer à un événement. Et voilà. J'avoue que c'était un pur moment. On va clore la soirée sans plus attendre avec le dernier morceau de Dama qui s'appelle donc Time. Qui s'appelle Time. Donc voilà, comme quoi le temps nous est compté, il va falloir qu'on termine ça vite. Donc avec Dama, je vous prie de leur réserver le meilleur accueil pardon que vous puissiez le réserver. Dama avec Time. Merci Mathieu. Stick on
underground, I watch at the time, his face is a venture. Let him guide you at the rhythm of dance, let it behind ya. Hey, hey, stick on the ground, watch out the time, his trace is a venture. Let him guide you at the rhythm of dance, let it behind ya. Maximum de bruit pour Dama, s'il vous plaît. Bravo. Et encore une fois. Hey, je vais demander à tous les artistes de ce soir de venir nous rejoindre sur scène. Dusty Duke. S'il vous plaît, Dusty Duke. Les Survival News, Dusty Duke. Et Nico Backton, s'il vous plaît. Hey, on fait un maximum de bruit. Ce soir, c'était le Tiri Titi, deuxième édition. On se donne rendez-vous pour le prochain. Je voudrais qu'on remercie énormément l'équipe technique, l'IDEM, la Casa Musicale qui a accueilli le lieu ce soir. J'aimerais que vous fassiez aussi un maximum de bruit au conservatoire, à nos guests qui étaient là avec nous ce soir. Merci très très fort au public présent. On se donne rendez-vous pour le prochain Tiri Titi.